Ok les boys, ça fait plus que 4 semaines que j'ai pas cheaté. Là on s'en va pour un Five Guys, c'est mon initiation, j'ai jamais fait de Five Guys dans ma vie. Donc aujourd'hui on va aller tester le fameux resto de Five Guys Bodybuilding Cheat Meal. Tiens mon c'est la toute première fois qu'il va manger du Five Guys. Le gars tantôt là, à la caisse, il a demandé justement si c'est votre chaîne est tout dedans. Nice. J'ai payé pour Chris parce que Chris a oublié son fucking portefeuille. 45 fucking dollars pour deux burgers, what the fuck? Five Guys, c'est mieux de pas être overrated. On doit save les calories for later, fait un petit code 0 chiffre. 0 calories. C'est quoi tes attentes par rapport à ça? C'est mieux d'être bon là, 45 dollars pour ça. Je n'ai jamais goûté. Jamais mangé ma vie. Tu sais, ça tienne. On est fucking con. On a pris des grosses boissons, moi puis Chris. You boys. On a pris des grosses boissons, mais le remplacement est gratuit. C'est vraiment tienne, ils ont vraiment pété, genre. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est la ST. Pourquoi vous avez pris des grosses boissons? On est fucking calme. Time for reveal, man. Regarde-moi ça. First time at Five Guys. Frites sont quand même fort. Est-ce que le caméraman peut goûter une frite? Spike! Merci. Le burger est quand même petit, je mange pas. Mais les frites sont fucking bonnes. Les burgers sont vraiment bons, sont vraiment grands. What the fuck, man? What the fuck? Le pain est mouillé par exemple. Yo, il a mis des champignons dans le burger. Champignons? Qui met des champignons dans un burger? What? Taste test. C'est vraiment, vraiment ouais, c'est cher, mais je pense que c'est worth the hype. Ah, c'est pire que ça, vraiment. Mais c'est fucking gras, yo. Est-ce qu'un bodybuilder active ça? Pour la prise de masse, pour un cheat, c'est fucking bon. Clairement pas pour cut, pour perdre du poids. Mais je comprends encore pas qui met des champignons sur le burger. C'est vraiment gras. Le bacon, le fromage, la sauce. Yo, vous voyez comme ça a découlé. Le pain est tout cru. Par exemple, le pain est trempé. C'est un peu décevant, le pain est comme mouillé. C'est combien sur 10 pour les frites? Si je prends en compte le prix, en compte la boisson, les expectations que j'avais, je donnerais au moins un 8.5 sur 10. Moi c'est 8.5. Five Guys en général, c'est vraiment bon, sauf que j'ai hâte de voir ce qu'il pense de ça. Yo, on laisse pas ça en bordel comme ça. Chris, t'es bien élevé, man. Par exemple, les frites sont insane. C'est comme les deux des meilleures frites que j'ai mangées dans ma vie. Comme elles sont vraiment bonnes. Niveau salé, comment elles sont chaudes, comment elles sont croustillantes. Comme on dirait que l'équilibre est vraiment là. Elles sont pas froides, pas trop chaudes. Ils sont pas trop grosses. Parce que c'est ça, Five Guys au Canada et Five Guys au US, c'est différent, je pense. C'est bon, Chris? Oh, ok. Chris, genre, c'est un peu. Est-ce que c'est meilleur que McDo? Non, c'est pas meilleur que McDo. Non. C'est pas meilleur que McDo? Ça coûte trois fois plus cher que le McDo. J'espère que c'est meilleur que le McDo. Non, ça. Arrêtez de vous juger au prix. Ok, est-ce que c'est. Est-ce que tes expectations sont remplies? Ou t'es déçu un peu? Combien sur 10? 6-7. Ok, est-ce que ça vaut le hype ou pas? Mais non, rien. Tu conseilles à la personne derrière la caméra de vous conseiller. Non. Non? Yo! Hey, ça c'est un good brand deal, hein? C'est cher, mais je trouve au moins ils mettent la qualité. Yo! C'est rapide les services. On dirait que je t'ai fait douter. Les dogs ici sont incroyables. Si t'aimes pas les burgers, t'aimes les dogs ici, c'est garanti. C'est sûr. À chaque ad. C'est vraiment bon. Une affaire que j'ai remarqué chez Five Guys, c'est que c'est comme un peu un Subway mais du burger. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a des hot dogs, des burgers, des frites, les boissons, c'est vraiment tout. Mais tu peux vraiment customiser ton burger comme tu veux. Ok. La quantité de napkins qu'ils nous ont donné. C'est pour ça que c'est cher. Ben, c'est normal. Check Chris après son burger, son assiette. Le pain est trop petit. Les hot dogs, c'est les meilleurs que j'ai mangé. Le hot dog ou Five Guys en général? Est-ce que c'est plus que des expectations ou moins? Moi j'adore. Five Guys c'est 9 sur 10 pour moi. C'est... Moi j'adore. Five Guys, sponsor me pour la pub, please. On a besoin de rentabiliser ce burger là. Y'a Chris à côté qui dit 6 sur 10 là. C'est d'accord, justement. Nice! Regardez son hot dog, bon. Tellement bon. Croque ça, dis-nous qu'est-ce que tu penses de ça. Je déteste le hot dog. Ah, c'est vraiment pas le hot dog. Pourquoi? C'est pas vrai que j'ai pas eu un burger. Je trouve la saucisse est trop salée.
Puis j'ai depuis l'enfant, je déteste pour mourir les hot dogs. Wow! Ouais. Take action, man. Par exemple, un fucking défaut que j'ai trouvé à date, c'est à quel point le pain est louche, genre, what the fuck? Il a l'air mouillé ton pain, bro. Ah, c'est ça, dégueulasse. Quoi? C'est dégueulasse. Ah non, je peux pas manger ça. C'est le meilleur hot dog que j'ai mangé de ma vie, moi. Ah, c'est ça. Yo, on peut t'en parler du pain? Ah. Le pain est fucking dégueu. C'est délicieux, man. Plus que ça avance, à quand les mains sont dégueulasses, à quand le pain tombe, je sais que je donnais un 8.5, mais je pense que je donnais genre un. Allez, 6. Un 7. Un 7. Parce que je suis généreux, mais comme. Yo, c'est pas worth the hype, venez pas ici. 5 minutes avant, il disait, hey, Fabien, s'il te plaît, sponsor-moi, ça va. Les meilleurs fruits que j'ai mangé en dans ma vie. Comme ils sont vraiment bonnes. Niveau salé, il n'y a aucune chance que je puisse à ce fromage-là, ça a juste l'air dégueulasse. C'est legit le burger le plus gras que j'ai mangé toute ma vie. C'est bon, c'est gras, c'est beaucoup de calories. Est-ce qu'on peut. Pourquoi les frites sont dans un verre? Yo, j'ai la misère à manger que l'on fout. Yeah, c'est wack, c'est wack, c'est wack. Five Guys, on vient de finir. Honnêtement, je pense que c'est overrated pour le prix. C'était bon, c'était un beau cheat. Ça faisait 4 semaines que j'avais pas cheaté. Ça donnait du fuel pour les prochains trainings. On aura des carbs, on est rempli de sel, rempli de sucre, rempli de gras. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. On est bientôt à 500 abonnés. Cliquez juste ici pour checker une prochaine vidéo. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!